Bonjour à tous, c'est CVMAT et bienvenue pour un nouveau numéro de LettesMath. LettesMath numéro 1. Et aujourd'hui, nous allons faire des mathématiques. Nous allons aborder un problème du bac qui a pour thème l'intégration par partie. Allez, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Déterminer 3 réels A, B et C tels que pour tout x appartenant à l'intervalle 0, plus l'infini. 1 sur x fois, 1 plus x, au carré égale à A sur x plus B sur 1 plus C sur, 1 plus x, au carré. 2, soit x supérieur ou égal à 1. A, calculer l'intégrale d'un x de x sur x fois, 1 plus x, au carré. B, soit phi la fonction définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par phi de x égale à, l'intégrale d'un x de ln de x sur, 1 plus x, au cube dx en intégrant par partie, calculer phi de x en fonction de x. C. Montrer que limite quand x tend vers plus l'infini de ln x sur, 1 plus x, au carré est égal à 0. En déduire que limite quand x tend vers plus l'infini de phi de x, est égal à 1 demi de ln de 2 moins 1 demi. Première question nous demande de déterminer trois réels A, B et C tels que 1 sur x fois 1 plus x carré égale à A sur x plus B sur 1 plus x plus C sur 1 plus x au carré. Donc là, c'est une identification de coefficients d'un polynôme. Donc, on va d'abord développer l'expression de droite en mettant en fait tout au même dénominateur. Donc, A sur x plus B sur 1 plus x, c sur 1 plus x au carré. Alors le dénominateur commun des trois fractions, ça va être x fois 1 plus x au carré. C'est égal à, donc, x, 1 plus x au carré. Donc ici, il nous manque le 1 plus x au carré, donc a fois 1 plus x au carré, plus 1 plus x, donc il nous manque le 1 plus x pour avoir le 1 plus x, et il nous manque aussi le x, donc b x 1 plus x, plus, donc le c, il nous manque le c fois x, égal. En dénominateur, on a toujours 1 x fois 1 plus x au carré. Alors, on va développer. Donc, a plus a x au carré plus dx plus dx au carré plus dx. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassembler les x au carré entre les x entre eux et les coefficients constants entre eux. X 1 plus x au carré, donc a en x carré, a plus b, plus, donc en x, b et c, donc b plus c. Alors, petite erreur, pas 1 plus x au carré, c'est 1 plus x le tout au carré. Donc ici, on a donc 2 ax plus a au carré. On a bien donc a. Monsieur Boulogne, est-ce que vous pouvez montrer un algorithme sur Discas qui permet de faire le produit de deux matrices plus b plus c x plus le coefficient constant, et tout ça doit être égal à moins 1 sur 1 plus x carré.
On va identifier donc les coefficients du polynôme. Donc, le dénominateur, non, les deux dénominateurs étant égaux, en fait, on a a plus b x carré plus 2a plus b plus cx plus a égale à moins 1. Or, donc cela veut dire que le coefficient a plus b doit être nul, car ici le coefficient de x au carré est nul. 2a plus b plus c doit être égal à, attention, ici, à moins 1. Pas moins 1, mais 1. Donc a plus b égale à 0. 2a plus b plus c égale à 0. Et a doit être égal à 1. Et seulement si. Donc on remplace a par sa valeur dans la première ligne et la deuxième ligne. Donc a égale à 1. 1 plus b égale à 0. Et 2 plus b plus c égale à 0. Ça veut dire que b égale à moins 1. A égale à 1. Donc b égale à moins 1. Donc c égale aussi à. Donc 1 plus c égale à 0, c égale à moins 1. Donc conclusion. B égale à moins 1, c égale à moins 1, a égale à moins 1. Et cela veut dire que 1 sur x, 1 plus x carré est égal à, donc 1 sur x plus moins 1 sur 1 plus x plus moins 1 sur 1 plus x au carré. Deuxième question, on considère x grand x supérieur à 1 et on veut calculer l'intégrale de 1 à grand x de la fonction 1 sur x, 1 plus x au carré. Donc, intégrale de 1x dx sur x, 1 plus x au carré. Alors, mais on va utiliser la question 1. On a dit que la fonction 1 sur x, 1 plus x au carré est égale à dx sur x moins 1x dx sur 1 plus x moins 1 intégrale de 1 à x dx sur 1 plus x au carré. Alors, petit rappel de formule en vert. On rappelle que l'intégrale de u' sur u avec une fonction, c'est égal à ln de u, de valeur absolue de u. Et l'intégrale de u' sur u carré, c'est égal à moins 1 sur u. Alors bien entendu, ici la fonction est clairement définie, car la fonction est toujours positive. Alors, on calcule les intégrales. Donc dx sur x, donc la dérivée de x, bah, c'est 1, donc ça va être sa primitive, ça va être ln de x entre 1 et x, sachant que x est toujours positif, donc les valeurs absolues ne servent à rien. Moins intégrale de, donc dx de 1 à x, 1 plus x, donc la dérivée de 1 plus x, bah, c'est 1. Donc, on est dans ce cas-là. Donc, ça va être ln de 1 plus x, moins ln de 1 plus x aux bornes 1 et x. La valeur absolue ne sert toujours à rien parce que 1 plus 1, ça fait 2, donc c'est toujours positif. Moins dx, donc l'intégrale de 1x, dx sur 1 plus x au carré. Donc là, on a u' sur u carré. Donc moins 1 sur donc u, 1 plus x entre 1 et x. Alors, donc on rappelle que quand on a ln de x entre les bornes 1 et x, ça vaut bien ln de grand x moins ln de 1. Moins ln de 1 plus x moins
ln de 2. Ln de 1 plus 1, ln de 2. Moins, donc ici, 1 sur 1 plus x, moins 1 sur 1 plus 1, donc 1 demi. Alors, on peut utiliser la propriété suivante. Ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Si ln de x, en fait, ln de 1 est égal à 0, donc ln de x moins ln de 1, ça fait ln de x. Moins, ici, ln de 1 plus x moins ln de 2, donc ça va faire ln de 1 plus x sur 2. Moins, alors ici en fraction, donc il faut même mettre au même dénominateur, donc le même dénominateur ça va être 2, 1 plus x. Ici, 2 moins 1 plus x. Donc 2 moins 1 plus x, donc il restera 1 moins x. Ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. Donc ln de x fois l'inverse, donc l'inverse, donc 2 sur 1 plus x, moins 1 moins x sur 2. Ou encore, ln de 2x sur 1 plus x, moins 1 moins x sur 2, 1 plus x. Voici donc le résultat de la question 2a. On rappelle la propriété de l'intégration par partie. Donc, si on a l'intégrale de AB U V', donc UX V' de X dX, c'est égal à UV, donc UV entre les bornes A et B, moins l'intégrale de A à B de U'V, avec U et V des fonctions qu'on va choisir. Donc on va poser U de X est égal à ln de x. Si bien que la dérivée de u, ça va être 1 sur x. Et si on pose v' de x est égal à donc 1 sur 1 plus x au cube, là il faut trouver v, donc la primitive de V', V de x, ça va être égal à donc moins 1 demi de 1 plus x au carré. Si bien que donc V de x est égal à l'intégrale de 1 à x de ln de x sur 1 plus x au cube dx. Donc c'est UV', donc c'est d'après l'intégration, la propriété d'intégration par partie, moins ln de x sur 2, 1 plus x au carré, entre 1. Alors, le moins va se transformer en plus, car ici v, ça va être moins 1 demi de 1 plus x au carré, plus l'intégrale de 1 à x de, donc, 1 sur 2x, 1 au carré de x. Alors, ça se calcule assez facilement. Donc, moins ln de grand x sur 2, 1 plus x au carré, moins ln de 1, mais ln de 1 ça vaut 0. On aura que moins ln de x sur 2, 1 plus x. Plus donc l'intégrale qu'on avait calculée précédemment, 1 demi de donc ln de 2x sur 1 plus x moins 1 moins x sur 2 1 plus x. Donc phi de x s'écrit
ainsi en fonction de x, moins ln de grand x sur 2 1 plus x de tout au carré, plus 1 demi de ln de 2x sur 1 plus x, moins 1 moins x sur 2 1 plus x. Donc voilà pour la question 2b. Montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de grand x est égal sur 1 plus x au carré est égal à 0. Alors, on ne peut pas directement conclure car quand x tend vers l'infini, ln de x tend vers plus l'infini et 1 plus x tout au carré tend vers plus l'infini. Alors, comment on va raisonner? Donc, on va donc développer d'abord 1 plus x au carré, donc limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de x sur 1 plus x au carré est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré plus 2x plus 1 est égal à la limite quand grand x tend vers plus l'infini de ln de x sur, et ici on va factoriser par x au carré. X au carré, qui restera 1, plus 2x sur x au carré, donc 2 sur grand x, plus 1 sur x au carré. Alors, maintenant, on a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré fois 1 sur 1 plus 2 sur x plus 1 sur x au carré. Alors, cours de terminale S, cette limite-là, c'est 0, car limite de x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n pour tout n supérieur ou égal à 1 vaut 0, car c'est en fait la propriété des croissances comparées. X puissance n l'emporte sur le logarithme. Il va tendre vers 1 sur x au carré, qui va tendre vers 0. Ici, 1 sur 1 plus 2 sur x plus 1 sur x carré. En fait, x tend vers plus infini, donc 1 sur x tend vers 0. Donc, 1 sur 1 plus 2 sur x plus 1 sur x carré va tendre vers 1. Donc, la limite va valoir 0. Limite égale à 0. Donc, on a bien montré que la limite de grand x tend vers plus infini de ln de x sur 1 plus x au carré est égale à 0. Question de C, limite quand x tend vers plus l'infini de pi de x. On va montrer que c'est égal à 1 demi de ln de 2 moins 1 demi. Alors, qu'est-ce que c'est? On va rappeler donc l'expression de phi de x en fonction de x. Donc on avait marqué que c'était donc ln de x sur moins 2 1 plus x au carré moins 1 demi de ln de x sur 1 plus x. 1 moins x sur 2, 1 plus x. D'après la question de C, première partie, ce terme tend vers 0. Donc, en fait, donc, la limite va être la suivante. Ici, ça va être 1 demi de ln de x sur x, 2 fois sur x, fois 1 sur 1 plus 1 sur x, moins donc 1 demi x sur x, donc à chaque fois on factorise par x, fois 1 moins 1 sur x, donc 1 sur x moins 1 sur 2, 1 sur x. Donc, si bien que ici ça va tendre vers 1, ici ça va tendre vers 0,
Ici, ça va tendre 1 sur 1 plus 1 sur x, donc 1 sur x va tendre vers 0, donc 1 sur 1, 1. Ici, ça va tendre vers 1. Ici, ça va tendre vers 1. C'est égal. Donc la limite de phi de x va être égale à 1 demi de ln de 2 moins 1 demi. Monsieur Boulogne, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me représenter sur GeoGebra la fonction phi définie dans l'énoncé du problème? Et en bonus, on va représenter la fonction phi de x est égal à l'intégrale de 1 à x de ln de x sur 1 plus x au cube dx. Donc, j'ai d'abord créé un curseur a égal à 1, donc de 1 à 25, et j'ai tracé la fonction f de x égale à ln de x sur 1 plus x. Donc, ce qu'on va faire, c'est intégrale, domaine, alors pas domaine mais fonction, alors intégrale, fonction, fonction ln de x, donc on va dire f de x, de 1 à a, voilà, et si j'ai bougé le curseur, on a bon, qui représente donc l'intégrale. L'intégrale, donc c'est phi de x. Phi de x, en fait, ça va être cette r là. Cette r. Et quand x tend vers plus infini, on avait dit que c'était donc. Donc la limite quand grand x tend vers plus infini de phi de x est égal à 1 demi de ln de 2 plus 1 demi. Donc, pour conclure, on devait calculer la limite de f de x est égal à 1 demi de. Donc la limite quand x tend vers plus infini de phi de x. On avait dit que c'était égal à 1 demi de ln de 2 plus 1 demi. On trouve approximativement est égal à 0,5916. Donc, l'intégrale, donc l'aire sous la courbe de f de x est égal à ln de x sur 1 plus x au cube. Et entre 1 et plus infini, c'est approximativement égal à 0,59. Voilà, le problème a été entièrement résolu. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou des remarques sur la vidéo, vous pouvez poster un commentaire. Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne CBMAT, vous pouvez vous y abonner. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine!